Nikit, on va s'intéresser à Better Call Saul. Alors une fois qu'on a fait un premier affrontement, si on va un petit peu en arrière, ce que le jeu ne pousse absolument pas à faire. Il y en a un premier à les choper. L'angle de caméra est pas beaucoup. Oh, je n'en ai pas vu depuis mon enfance. Voilà pour le premier. C'est un truc que j'avais jamais fait. En pétant les espèces de petits robots aspirateurs, on peut voir 1 sur 5, donc ça veut dire que si on en pète 5, on pourrait bien avoir une récompense. Il se joue de nous. Allez, nous ne devons pas le laisser s'enfuir. Petit deuxième. On se retrouve après l'affrontement contre Maul. Il se joue de nous. Allez, nous ne devons pas le laisser s'enfuir. Petit deuxième. Ensuite, une fois qu'on a traversé ici. On va de nouveau un petit robot cleaner. Dark Maul nous attend. Alors Dark Maul s'en va. Si on joue en monde ouvert, on peut voir ici. On a une interaction. Peut-être fait par, par un ami, par exemple. Jajar. Jajar, regardez ça, mucho brillant. Le deuxième, sachant qu'on a travaillé avec les petits aspirateurs. À trouver mon coup. Je possède des compétences spécifiques qui seront pratiques ici. L'histoire principale nous demande plutôt d'avancer tout droit là où Jajar a travaillé pour nous. Là on peut voir qu'il y en a un autre. Nos petits aspirateurs travaillent, un quatrième. Le cinquième. Bien caché. Oh, je n'en ai pas vu depuis mon enfance. Voilà, donc troisième mini-kit. Attends, on va regarder ce qu'on peut faire pour le... Celui qui est là. Et on peut construire des choses. Il
ou bien qu'il y avait des caisses. Bon, vous l'aurez compris, hein, on va les rapporter. Alors bien enfoncer la touche, hein, si vous donnez juste une petite piche nette, les caisses vous les détruisez. Très drôle lui, il fait un peu ce qu'il veut. Ouais, pour la quatrième. T'es balèze celui-là. Là maintenant on se retrouve lors de l'affrontement final, là où il y a les espèces de petits fusibles de couleur à mettre. Et le dernier dans le trou en fait. Voilà ici. C'est quand même vicieux hein. Et on a récupéré les 5 mini-kits de cette map. Clairement pour l'instant l'une des plus touchy.